Vendredi 10 février 2023, Adeline Tounaïouti était l'invitée de Jean-Luc Reichmann, sur le plateau de l'émission Les 12 coups de midi, diffusée sur TF1. La chanteuse et professeure de chant a créé la surprise en dédiant un titre à l'animateur. Adeline Tounaïouti est l'un des visages que les téléspectateurs de TF1 ont découvert dans la nouvelle édition de la Star Academy, en 2022. Professeure de chant, elle a à la fois imposé le respect autour d'elle du fait de son histoire marquée par un grave accident domestique qui a endommagé ses cordes vocales, mais aussi a amusé par son caractère de bout en train. Elle est notamment entrée dans les mémoires avec son inoubliable « Iman », dont « You Feel That »,« I Feel Happy », chanté à tue-tête avec les candidats pour réchauffer leur voix. Depuis, Adeline Tounaïouti revient sur scène avec un spectacle musical sur sa vie. Elle a aussi sorti un single intitulé « Iman », reprenant son gimmick de la Star Academy. Jean-Luc Reichmann l'a invité sur le plateau de son émission Les 12 coups de midi, vendredi 10 février 2023. Elle a ainsi pu parler de son parcours et de ce que le télécrochet a changé dans sa vie. Il y a vous maintenant, le public qui nous envoie de l'amour tous les jours, tout le temps, des lettres du soutien. Si est-ce incroyable. Il y a un spectacle, il y a un single. J'ai mis du temps à vous retrouver mais maintenant que j'y suis, je vais essayer de rester. Adeline Tounaïouti retourne le plateau quelques minutes plus tard, elle a pu chanter son single, dont elle est fière. Elle a même entraîné le public avec elle sur une version revisitée du titre, Reichmann, Reichmann dont You Feel That. Une petite touche qui a touché l'animateur avec lequel elle semblait très complice. Quelle femme! Si est-ce une frénésie sur les 12 coups de midi? C'était Adeline Tounaïouti. Quelle joie, c'était un bonheur. Waouh! C'était beau, c'était sympathique. Elle m'a épuisé cette fille. Qu'est-ce que c'était bon. A commenté Jean-Luc Reichmann après le départ de la chanteuse. Partout où elle passe, Adeline Tounaïouti laisse donc un souvenir mémorable.